Bon, ça va, soulèvement, ça fait pas si mal que ça, donc ça va. C'est bon. Je n'avais jamais vu une telle corruption. Si elle atteint la surface, nous ne pourrons plus la maîtriser. Ouais, bon. Massif détecté. Défaut de confinement de Goon. Aucune réponse de Dame. Ok, admettons. Que je dois faire. Il n'y a rien sous l'eau. Je vais devoir passer par là. Bon, lui il va s'activer. Ok, il a ramené son pote. Et oh, on se calme sur les dégâts là. Et oh, j'ai dit, on se calme sur les dégâts. C'est pas possible quoi. Alors attendez, je vais en profiter. Oui, je peux invoquer ça. Le temps, c'est de l'argent. Plaisir d'avoir pu vous aider. Ça m'a coûté cher. 129 pièces d'or. Merde. Et l'autre là, il m'aidera pas, hein. Y a pas de. Ah, puis il sort de fire. Oh non 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 non. Bon, je suis mort. Je suis mort. Protection permanente. Protection permanente. Protection permanente.
Je n'ai pas de cible. Je pense que l'autre est fou. Domination planétaire imminente. L'autre il m'aidera pas hein. Oh, je suis tombé à court de mana. Pire truc qui peut m'arriver. Spécimen virulent détecté. Objectif premier, le confinement. D'accord. Oh! Ok. Là, on va réinvoquer quelques pierres de soins. On va se remettre une petite pierre d'âme. Et on va régler son compte à cette saloperie. Que dalle. Au secours, je suis fait que dalle. Zone de purification. Infection. Protocole de purification enclenché. Oh, je lui ai rien fait en dégâts. Au secours. Contagion détecté. Désinfection. Zone de purification. Et puis ça va pas dessiner des symboles phalliques au sol alors qu'on est sur YouTube. Contagion détecté. Désinfection. Oh là 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 là, au secours. Protocole de purification enclenché. À l'aide, à l'aide. Zone de purification.
zone de purification. Ok. Protocole de purification enclenché. Ce n'est pas encore rechargé. Oh, c'est un combat qui dure des plombes. Je suis obligé de fuir, sinon je prends trop de dégâts. Désinfection. Maintenant, rassemblons nos troupes pour stopper la contamination à la source. Ah, je gagne que 30 puissance prodigieuse pour ça. Et donc là, tu meurs là, d'accord, ok. Zandalar pour toujours. Oh, cet enfer. Ça a été un enfer. Mais je l'ai fait en 40 minutes. Donc ça va. Donc je suis plutôt content. Et la bonne chance. Hein. Oh. J'avais pas vu. T'as des groupes entiers qui se préparent pour cette pour ce truc-là et moi je laisse loter. Bon bref. Ok, le truc le plus proche. Non, bah va falloir y aller à patte. Bon. Et ben on y va à patte. Et ça ne sera peut-être pas la dernière séance de tournage, résultat, étant donné que bah c'est pas totalement fini. Ah oui, il faut remonter. J'ai pas compris par où je ressortais. Par là? Par là. C'est ça. Ouf, on en est sorti. Ok, je suis en train de me planter de direction. On va passer par là.
pour les sombres lances. Surveillez vos arrières. Bon. Et il semblerait que ça soit fini. Après, est-ce que... Secours de l'Empire. Ah, il y a ça aussi. Parler à Bane, sabot de sang. Ok. Donc il reste ça à faire. Attendez, excusez-moi, j'ai eu un message. Nous avons localisé l'épave d'une embarcation mise à sac par les trolls de sang. Emparez-vous de son chargement avant qu'il ne le fasse. Quelque chose a effrayé un des brutosaures. Le pauvre a paniqué et semé la pagaille. Franchement, on n'avait pas besoin de ça. Je viens de comprendre un truc. Les marchands à sauver leur cargaison avant qu'ils vous piétinent. Ah, c'est bon. Non. Un peu trop de joueurs. Ça rame un peu. Que cherchez-vous? Nous obtiendrons justice. Oh, tiens, il y a quelqu'un qui a mis un de ces ventes là. Mais je viens de réagir à un truc. C'est ça le fameux... Ah non, c'est pas ça. Parce qu'on nous avait dit au début qu'il y avait un trésor, mais on savait comment, mais que les Andalari eux-mêmes ne savaient pas combien il était estimé et à quoi, enfin voilà, qu'ils avaient tout oublié de, c'était pas là. Non, c'est pas là. Mais il y avait un truc, mais non, c'était juste un truc, une sorte de logo. Hop, donc Bane. Que les esprits vous gardent. Au secours de l'Empire. Nous sommes les bienfaiteurs de ce monde. Honorez ceux qui nous ont précédés. Bon, donc ça c'est réglé. Bah, pourquoi j'ai un point d'exclamation si... Bon. Ouais, parce que le point d'exclamation c'est bien la carte, mais je peux rien sélectionner. Bon. Je regarde rapidement ça. Fils de Cairn. La nouvelle vient de tomber. La frontière nord est attaquée par une horde de trolls de sang. Le roi Rastakhan a demandé des renforts. Ah, donc, vous connaissez mieux cette menace que n'importe qui d'autre. Rendez-vous sur la place et tâchez de vous rendre utile. Bah, oh, s'il te plaît. À jamais. Comme si j'étais inefficace, quoi. Non, mais oh. L'efficacité, c'est mon deuxième prénom.
Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, le plus proche. Bon, en vrai, le plus proche, c'est d'y aller à pattes. À la limite, ouais, de repartir du poste machin là. Non, on va y aller à pattes. On va y aller à pattes, ce sera plus simple. Hop les. Je tourne là visiblement. Vous vous tenez devant le roi Rastakhan. La trahison de Zul est bien pire que je le pensais. J'ai presque perdu toute mon armée par sa faute. Et mes derniers fidèles, ils meurent sur le champ de bataille, massacrés par des hordes de trolls de sang. Talenji avait raison. Ouais, bon. Par contre, c'est con, on a eu la mort du roi Rastakhan déjà depuis beaucoup d'épisodes. Résultat, le revoir, ça fait un peu dommage. Enfin, c'est un peu con, quoi. On n'a pas le scénario dans le bon sens. Parce qu'on avait un choix multiple et bon bref. Les poisons des trolls de sang. Ok, donc soigner 8 captifs. Bon voilà. Ah, les poisons trolls de sang, ils sont conçus pour paralyser les cibles, pas pour les tuer. Ils nous veulent vivants, voyez-vous. Je préfère ne pas savoir pourquoi. Je tâche de préparer des antitoxines au plus vite, mais j'ai besoin de quelqu'un comme vous pour les tester sur le terrain. Prenez tout ce que j'ai préparé ju jusqu'ici et voyez si nous pouvons remettre ces soldats sur pied. Ok. Tic, attaque et toc. Ok. C'est gorge sang. Tuez-les avant qu'ils s'envolent avec tous mes soldats. Je vais donner l'ordre à mes troupes de se préparer à attaquer. Tuer six volants Gorgossan. Rezan vous donne la force. Cet appel. De toute façon, voilà, il me reste 20 minutes de tournage. Je vais tourner. On verra bien. Je dois m'approcher. Je suis hors de portée. Ok.
Bon, ça s'est arrêté rapide. C'est bon d'être le roi. Que l'ennemi tremble en vous voyant. Mes éclaireurs, ils me disent que votre chasseur des ombres sombre lance, Rokan, il est revenu de Nazmir. Il est coincé de l'autre côté de la porte. On va déjouer cet assaut en contournant l'ennemi. Rotana, l'ancienne, est déjà parée. Mettez-vous en selle et lancez la charge contre le flanc des trolls de sang. Une fois sur place, essayez de trouver Rokan et surtout les jeunes normands. Faites preuve de prudence. Il y a de la magie noire dans l'air là-bas. Foncez dans la mêlée sur le dos de Rotana, l'ancienne, puis retrouvez Rokan. Ok. Zandala pour toujours. Tout va bien. On traverse les lignes ennemies comme ça au calme. Ça pose de problème à personne, quoi. Attendez. Ah, excusez-moi. Je vous écoute. Restez à l'écart du vaudou. Ok, tu es des trolls de sang. Donc tu es tout ce qui bouge. Ok, d'accord, voilà, tout simplement. La mère de la guerre. Ok. La mère de la guerre, Rotana l'ancienne, elle souffre de la malédiction de cette satanée mère de la guerre que les trolls de sang ont amené avec eux. Va falloir mettre la mégère, abattre la mégère, si on veut que notre bonne vieille Navrecorne reprenne du service. Tu es la mère de guerre. Revenez me voir si vous avez besoin d'elle. Mission, faire un massacre, quoi. Ah, c'est pas par là. Ah, apparemment j'ai pas tapé assez fort visiblement. Je suis trop loin. Voilà, affaire réglée.
qu'est-ce que vous avez à me dire ? Restez à l'écart du vaudou. Ok, attaquez. Surveillez vos arrières. Bon. On y retourne. Alors, ça c'est quand même mes phases préférées, ça. Je n'ai pas de cible. Je dois d'abord choisir une cible. Ouf. Il me faut une cible. Non, honnêtement, c'est super cool, ça. Je n'ai pas de cible. Je ferai ce qui s'impose pour protéger mon peuple. Ok. Bienvenue à Zuldazar. Bah écoutez. Rezan vous donne la force. Oh si, j'ai encore un petit peu de temps. Je vais juste faire ces deux quêtes là. Donc faudrait que je parle à Ben Sabot de Sang. Visiblement, nous devons nous organiser en prévision d'un siège. Pour l'heure, rejoignez votre horde d'Azar alors et préparez-vous pour la bataille à venir. Je vous ferai savoir si les troupes de Nazmir se manifestent. Ok, c'est d'Azar pour toujours. Ah, d'accord, ok. Brom samedi, m'a murmuré un avertissement. L'ennemi est en marche. J'ai mobilisé toutes les défenses disponibles, mais nous manquons encore cruellement de bras. J'espère juste que grâce à vos efforts, les lois seront à nos côtés aujourd'hui. Êtes-vous prêt à défendre Zuldazar ? Terminez le scénario que de Zuldazar. Je tremble en vous voyant. C'est bon d'être le roi. Il restera ça. Il restera ça. J'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, je pense. Pas en... Ça a l'air d'être une instance. Et je peux pas le faire en si peu de temps. Les préparatifs de siège. On va faire ça. On va juste aller revoir Bane. Et ça, on le fera à la prochaine session de tournage. On terminera le scénario de Zuldazar. Résultat. Alors là, je suis embêté. Attendez. Hmm.
Ben non. Excusez-moi, je suis parti dans la mauvaise direction. Résultat. C'est ça, je peux passer par là. C'est pas là. Il est censé être là, mais je le vois pas, donc il doit être au-dessus. Pourtant, j'ai pas de flèche qui indique qu'il serait au-dessus. Plus, il est où? Bah, je suis con ou quoi, moi? Bon, bah, je le trouve pas en plus. Parce que Bane en plus, enfin. Je sais pas pourquoi l'indicateur est là. Est-ce qu'il faut que plutôt que je retourne à... Parce qu'en plus l'indicateur m'indique pas si c'est plus en haut ou plus en bas. Donc à mon avis, c'est un bug et il est à au grand saut, hein, simplement. J'ai juste le temps d'y aller avant de quitter, donc on y va. À mon avis, c'est un mauvais positionnement. C'est un mauvais positionnement du point d'interrogation. J'espère que c'est ça. Mine de rien, c'est pas à côté, quoi. Va devoir tout traverser. Quelque chose a effrayé un des brutosaures. Le pauvre a paniqué et semé la pagaille. Franchement. On n'avait pas besoin de ça. C'est quoi ça? Aider les marchands à sauver leur cargaison Ah, avant qu'ils vous piétinent. Une commande de couture.
Il est pas là. Ah si, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouf. Que la terre-mère vous sourie. Ok. Ensemble, nous sommes plus forts. Très bien. Eh bien, écoutez, notre... Cette session de tournage s'arrête ici. Nous tournerons la fin de Dazar alors quand j'aurai le temps de tourner. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous peut-être. Mais en tout cas pour moi, c'est à bientôt. Eh bien, bonjour à tous. Et enfin, oui, donc pour vous, c'est la suite de l'épisode 119. On va finir la campagne de Zuldazar. On va tenter, du moins. Il faut savoir que je tourne dans des conditions un peu particulières. En gros, je suis en l'attente d'un message urgent, professionnel, donc je peux couper à tout moment. Voilà, je préviens, je le dis, mais je suis en attente d'un message professionnel important. Bon, c'est visiblement une instance. Allez, brisez le dernier sceau. Okay. La porte de sang est submergée. Vite! Il faut écraser autant d'envahisseurs que possible avant qu'ils atteignent la ville. Ils aiment bien ça, hein. Donc, quoi? Faut... Attends, où je dois aller? Là-bas, d'accord, ok. Attendez. C'est ça, hein? Non, non, j'y suis. Ah, d'accord, ok. Ok, excusez-moi. Merde. Je mourrai, envahisseur. Ok, je dois tuer 200. Une offrande pour Buon Samedi. Ils sont si nombreux. Mourez, envahisseur. Oh, ça va se faire vite. Ils sont si nombreux. Ils sont trop nombreux à passer. Partez pour le pont vers Dazar alors. On va les pousser dans un goulet d'étranglement. Alors, je ne contrôle pas. J'avoue qu'ils sont nombreux. Pars, petit roi. J'avalerai tous ceux qui tenteraient de te suivre. Atteindre
Le Zocalo, je sais pas où c'est. Je. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va d'être par là. D'accord, excusez-moi, hop. Ah, d'accord, ok. Quelque chose pousse les Séfraga à attaquer. Ils affluent comme jamais. Pourquoi on... Il semblerait que Mithrax, le Disloqueur, se soit réveillé. Voilà qui est fâcheux. Ah, oh, purée, on se prend une attaque de Nal'jathar avec les trolls de sang, mais aussi de En Séfralis avec formation, les les archers Séfrak. sont prêts. Je vois que tu as pris le commandement de nos troupes. Et moi, que vous combattez à dos de l'oie? Aux grands maux les grands remèdes. Comment ça se présente? Mal. Nous sommes cernés. Les Loa font ce qu'ils peuvent, mais on a besoin de tous les trolls en âge de tenir une lance. Héros, envoyez-nous tous les civils restés à Zocalo. Nous poursuivrons tant que nous le pourrons. Je vois pas où sont les civils à sauver. Ouf. Ah d'accord, ok. Je peux vous faire un bon prix. Je dois m'approcher. Je suis trop loin. Je suis désolé, j'ai pas pu muter mon micro assez vite. Ma spécialité, le meilleur des produits étrangers. Gaffe à ce que vous dites. Ça va pas compter pour 3, ça. Si, je crois. Là-bas, il y en a. Vous cherchez de bonnes affaires? Personne ici? Bon. Eh ben, on avance plus vite que dans l'instance là, avec où il faut vaincre Port-Vaillant. Hein. Gaffe à ce que vous dites, hein? C'est bon. Ah non, ça c'était les civils. Mais c'est Fralis, c'est bon. Lui. Salut. D'accord. Hey. On va saouler. La voie est libre, mes petits.
Allons-y, Mithrax approche. Il a été introduit, Sloa. Approche, Mithrax. Approche, Dislocker. Le dernier sceau doit être brisé. Ah. Je peux pas attaquer. D'accord, je peux pas interagir là. Ça serait trop simple. Les alliés de Zul, ils sont trop nombreux. Il n'y a plus qu'une solution. Bon samedi. Montre-toi. Du calme, majesté. Bon samedi, il aide toujours ses amis. Levez-vous. C'est pas le moment d'être paresseux. Attrapez vos lances et battez-vous. Waouh. Alors ça c'est cheaté. Ça, j'avoue que c'est cheaté. Je balance des dots au passage, hein, mais j'avance vers l'objectif. Je suis hors de portée. Je suis trop loin. Le monde sera quand même un... Alors ouais, faut que je pense que je suis en instance. Ça veut dire que tout mob que j'aggro, par contre, je dois l'achever. Sinon, il va me suivre pendant l'éternité. D'accord. Envoyez-moi. Alors, j'ignore ce que c'est que ces feux. Est-ce qu'il faut que je bute suffisamment de mobs pour... Je sais pas, invoquer mon marcheur. Alors, j'ai pas bien saisi. Donc je peux pas passer par là. Et si je tente de passer à cheval? Attendez. Si je tente de passer à cheval, est-ce que ça passe? Ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Sauf que c'est pas là-bas que je dois aller. C'est pas par là que je dois aller. Ah, le con.
Si lâche ça, je meurs. Si lâche ça, je meurs. Allez, ça faisait bien longtemps. Ouais, non, c'est bon. J'ai pas besoin de... Ça fait longtemps que je me suis pas servi de mes bandages. Ok. Oh. Une âme pour mon maître. Une âme pour Goon. D'accord, c'était la fin du scénario. Pas de loot. Au secours. Prédateur ou proie? Que l'ennemi tremble en vous voyant. Bah écoutez, on a fini ce scénario, même si ça a été rapide. Ça a été vachement rapide, je trouve. Cette instance, cette dernière instance, je l'ai fait en 20 minutes. Même pas. 16 minutes d'après l'enregistrement de XSplit. Après, c'est Mechagon. Il reste Mechagon. Et puis Nage Jatar, mais Nage Jatar, c'est un enfer. Attends, il y a un truc qui concerne les bien-nés, là. Oh, Nage Jatar, honnêtement, ça m'énerve plus qu'autre chose. Bien, bah écoutez, après, voilà, il reste il reste des choses à faire, mais dans World of Warcraft, c'est le truc, c'est qu'il y a toujours des choses à faire. Après, il y a tout l'aspect NZOT aussi qu'il faudrait avancer, mais je galère aussi. Donc écoutez, en tout cas, on a fini avec. Ici, en fait, à Zuldazar. Et pour moi, je pense que ça doit marquer la fin de ce. De cette série et éventuellement le reste, je vous dis, quand je serai fibré, quand j'aurai voilà, quand je vais me renseigner pour peut-être faire du stream et on fera peut-être tout ça en stream et quoi qu'il en soit, ça sera rediffusé sur ma chaîne YouTube. Voilà. Sur ce, j'espère que cette série vous aura plu. Pour le scénario de Salandria, je suis sur l'écriture. Il faut que je prenne le temps de l'écrire. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais c'est un projet. Voilà, c'est un projet sur lequel je l'ai dit. Je ne peux pas me prononcer sur une date de sortie. Il va falloir que je trouve une actrice qui a une voix enfantine. Voilà, c'est pas voilà. Donc c'est pas pour maintenant. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et je sais déjà quel autre jeu je vais enregistrer.
À bientôt.